Amen. On va se tenir debout. On va prendre un verset. Amen. Amen. L'Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Maintenant, on va prendre Genèse, chapitre 1, la création. Tout se trouve. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On a fermé les yeux. Jésus t'invite. Viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à t'aimer? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, 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 Jésus t'appelle. Décide. Et maintenant, accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne à qui la Jésus t'invite, viens au festin, déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Jésus t'appelle, décide, et maintenant, accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne à qui l'a pris. Laisse le reste de son reconnaissance, le gros Dieu, je te rappelle. Seigneur, nous sommes bénis pour toi, nous sommes bénis pour ta parole. En ce dernier temps où tu envoies ton prophète pour briser les choses pour nous, Père Céleste, tu as voulu que la chose aille de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Père Céleste, nous croyons à cette parole. Nous croyons que ta puissance va de puissance en puissance. Nous croyons que tu es éternel. Nous ne pourrons jamais finir de puiser cette source intarissable. C'est pour cela ce matin, nous allons parler de la dimension. Notre prophète en a déjà parlé, mais comme tu es une source intarissable, nous savons qu'il y a encore des sources intarissables dans cette pensée de la dimension. Alors, pas ce matin, nous voulons en parler. Nous comptons sur ta présence, sur ton onction, sur le Saint-Esprit pour un puissamment chaque parole, pour que chaque enfant de Dieu au sorti d'ici retourne avec quelque chose, comme ton serviteur a dit, pour que ça soit une puissance dans sa vie, et pour tuer tous les traits de l'ennemi dans sa vie, et pour le propulser dans l'éternité, sans même voir la mort. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le prophète Branham dit, il y a sept dimensions.
cette dimension. Ça veut dire, il y a terre qui est ici. Et il y a trois dimensions. Il y a trois dimensions au-delà. Au-delà de la terre. Donc ça, c'est la terre. C'est ce qui nous intéresse, donc je prends ça. Maintenant, en deçà de la terre, il y a encore trois dimensions. Donc quand on compte, ça fait sept dimensions. Ici, c'est le royaume de Satan. Ici, c'est le royaume des cieux. Maintenant, il se trouve que dans la démonstration, il y a quelque chose qui mélange. Alors, il faut Dieu. Il faut Dieu pour nous aider à comprendre. Amen. Parce que l'homme même qui est sur la terre, il a trois dimensions. Il vit dans trois dimensions. Mais quand le prophète a défini, on a déjà les sept. Bon, c'est comme si l'homme vit dans une dimension. Et on a trois dimensions en haut, on a trois dimensions en bas. Or, l'homme vit dans trois dimensions. L'homme ne vit pas dans une dimension. Amen. Alors si Dieu peut nous aider à comprendre comment les choses sont établies, alors on pourra savoir aussi comment être puissant devant le diable, devant toutes les situations qui nous entourent. Amen. Parce que tout ce qui est naturel typifie le surnaturel. Fait un peu comme un enseignement. Amen. Donc, devrait bien suivre. Amen. Avec la téléphonie mobile, on a connu des gigas. Bon, si on peut appeler ça giga. Amen. On a connu des 2G, 3G, 4G, 5G. Maintenant, on parle de 1G. C'est une puissance, mais c'est lent. La 2G, c'est supérieur à 1G. Quand ils ont sorti, la 1G, c'était dans les années 1980. Donc, on arrive à faire quelque chose avec le portable. Peut-être ça peut nous aider à envoyer les SMS. Ça peut nous aider à voir quelques images. Amen. Avec la 1G que les blancs ont sorti ça. Amen. Alors après la 1G, ils ont évolué. C'est juste. Amen. Ils sont arrivés à la 2G. Amen. À la 2G, ça a aidé un peu à naviguer. Mais ça ne peut pas faire ce que vous faites aujourd'hui avec votre smartphone. Amen. C'était très limité. Amen. Amen. Donc, c'est identifié aux dimensions. Amen. C'est identifié aux dimensions. Amen. Il y a la dimension 1 qui se trouve dans la vie de l'homme. Amen. La dimension 2 se trouve dans la vie de l'homme. Et la dimension 3, qui est la 3G, qui est sortie dans les années 2000 Amen. Jusqu'à 2010. C'était la 3G. C'était beaucoup puissant. C'est ça qui est venu avec les smartphones. On arrive à naviguer, à faire beaucoup de choses avec la 3G. Même si tu n'as pas la 4G aujourd'hui, que tu as la 3G dans ton portable, tu n'en vis pas trop quelqu'un qui a la 4G. Amen. Puisque nous, on a eu des portables de 3G. On a vu ce qu'on faisait avec. Donc, c'était la 3G. Or, la 3G fait partie de l'espace humain. L'homme vit dans trois dimensions.
On vit dans une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Mais comment cela se passe? Parce que la terre est une dimension. Dites amen. Amen. La terre, c'est la matière. La terre, c'est le solide. Amen. Donc lui, il est une dimension. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'homme. La terre est une dimension. Donc il faut séparer l'homme de la terre. Amen. Pour trouver le schéma que Branham a fait. Amen. Amen. La terre a une dimension. C'est la matière. Quand Dieu est venu, il est venu trouver que la terre était comme un vide. Il lui a donné une forme. Amen. C'était la matière. Amen. Mais quand Dieu était arrivé, il a fait deux vies. Il y avait la lumière et il y avait les ténèbres qui étaient au-dessus de l'abîme. Dites amen. Donc l'homme en réalité, l'homme qui se trouve sur la terre, qui a une dimension, en lui il y a la lumière, en lui il y a les ténèbres. Amen. 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 Dites amen. C'est ça les trois dimensions que nous vivons dedans. Amen. Vous allez comprendre, essayez de suivre. Parce que vous devez comprendre à quel niveau vous êtes arrivé. À quel niveau vous devez prier. À quel niveau vous devez connaître la parole. À quel niveau votre foi doit monter. Dites amen. Parce que les scientifiques ont étudié ça. Ils ont compris ça. Ils s'en vont vers un monde où les gens même ont peur d'y arriver. Parce que ce qui va arriver là-bas, ils ne comprennent plus. Parce qu'ils sont en train d'étudier les dimensions. Ils savent qu'on ne doit pas s'arrêter ici. Et ils ne se sont pas arrêtés ici. Pour t'envoyer une voiture, ils ne se sont pas arrêtés ici. Ce n'est pas toi, les chrétiens, tu dois t'arrêter ici. Alors tu dois comprendre comment les dimensions fonctionnent. Dis ta main. Tu veux aller à la sixième dimension. Tu dois savoir de quoi il s'agit. Alors, sur la terre ici, la terre, une dimension. Amen. C'est dimension une, qui est la matière. Maintenant, sur la terre, il y a deux êtres qui vivent sur la terre. Il y a les animaux, et puis il y a l'être humain. Amen. Les animaux, nous sommes en train de prêcher la dimension comme jamais ça n'a été prêché. Amen, c'est juste. Amen, amen. 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 On a les animaux. Les animaux vivent dans deux dimensions. Dites amen. Ils sont dans deux dimensions. Ils sont la matière et puis ils n'ont pas la lumière en eux. Donc ils ont le côté obscur de ce que Dieu a vu. Qu'on appelle les animaux. Ils sont identifiés à l'être animal qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'âme qui vient de Dieu et qui ne peut pas aller au ciel. Dites amen. Mais comme les animaux, ils ne pêchent pas, donc quand ils meurent, ils ne vont pas en enfer. Amen. 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 Ils n'ont pas d'âme même pour les envoyer en enfer. Amen. Alors, quand tu prends l'être humain qui vit sur la terre, qui est une dimension, l'être humain a trois dimensions. Amen. Il a en lui la lumière, Amen. Il a en lui le temps, Amen. Et il a en lui la matière. Le temps, c'est ce qui constitue tout ce que vous avez Amen. En vous, Amen. Que vous permet de vivre Amen. Et vous permet de mourir. C'est le temps. Le temps n'existe pas chez Dieu. Dieu est dans l'éternité. Amen. Mais Satan, c'est le temps qui existe. Dieu a placé un chronomètre pour tout ce monde qui est en dessous de la terre. C'est la dimension d'ici. Amen. Un jour, l'enfer va disparaître. Ce jour des morts va disparaître. Amen. Un jour où les tout vont disparaître. Donc c'est des créatures du temps. Donc tout ce qui doit disparaître, un jour c'est le temps. Amen. Donc nous sommes dans la dispensation du temps. Les animaux sont dans les deux temps. Eux aussi sont dans le temps. Un jour ils vont disparaître. Ils sont aussi dans la matière. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Donc ils n'ont pas la lumière. Amen. Amen. Donc, quand on prend la 3G, qui est une puissance qui va très vite, qui est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Le côté lumière, Dieu est venu faire la terre. Amen. Il a trouvé d'abord que parce que Dieu était en fait les dimensions. Amen. Pour nous, la terre,
on va venir vivre. Quand Dieu nous donnait trois dimensions à nous, c'est. Alors il vient pour former la terre. Il trouve en même temps qu'il y a la lumière, mais il ne peut pas retirer la lumière. Il y a les ténèbres aussi qu'il n'a pas retiré. Alors tout cela a constitué la formation de l'homme. Donc quand tu prends l'homme, voilà que l'apôtre Paul dit le mal habite en lui. Le mal est en lui, le péché est en lui. Amen. Vous avez voulu lire ça, mais c'est bon. Bon, le péché habite dans l'apôtre Paul, lui-même qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il dit le péché habite en lui. Il dit le mal habite en lui. Le côté obscur habite en lui. Amen. Donc malgré la lumière qui s'est développée en lui, le côté obscur est toujours là. Dieu n'a pas banni ça. Amen. Donc ça fait partie de la formation de l'homme. Amen. Donc maintenant, quand on parle de puissance, parce qu'après ça, il y a eu la 4G. Dans la 4G, vous allez voir un peu la différence entre notre dimension et la quatrième dimension. La dimension supérieure, qu'on ne peut pas voir ça. Parce que le chrétien, comme on vous a dit le dimanche passé, la terre est un département du ciel. Amen. Voilà que quand on signifie les sept dimensions, il y a la terre dedans. Amen. Donc la terre fait partie du patrimoine de Dieu. Amen. Donc maintenant, quand on parle de la quatrième dimension, c'est quelque chose qui est hors portée de l'homme. C'est comme quand tu prends un animal qui vit dans deux dimensions. Lui, il ne vit pas dans trois dimensions. L'animal, même le lion, va te regarder, il ne va jamais te comprendre. Le lion ne va jamais voir ta forme que tu as. Il va te regarder, il ne va jamais te comprendre. Le lion va se promener, même, on va prendre l'animal le plus grand. Le chameau ou bien l'éléphant, qui ont peut-être des vues très développées. À cause de leur grandeur. Ils vont se promener ici, ils ne vont jamais maîtriser ton quartier, ils ne vont jamais comprendre le plan, ils ne vont jamais savoir comment ça fonctionne, comment tu es, ils vont te regarder, ils ne vont jamais te comprendre. La fourmi, les cafards, les salamandres qui habitent dans ton salon, ils ne vont jamais comprendre le plan de ton salon. Parce qu'ils sont dans deux dimensions. Il y a un écart. L'écart est trop. C'est cet écart-là qu'on va prendre maintenant pour prendre les dimensions pour aller. Amen. 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 Donc le cas qui fait de l'animal, quel que soit comment il est, il ne peut jamais. Regarde l'homme. L'homme a fabriqué les baffes, les micros. Parce qu'on a seulement une dimension de plus. Une dimension de plus nous fait qu'on est leur Dieu. Amen. Une seule dimension de plus fait qu'on fabrique des voitures. On fabrique des fusées. L'animal ne peut même pas faire gobelet. Ou bien couteau. Peut-être la plus petite création que quelqu'un peut faire. Hein? Allumette, mais il ne peut même pas faire. Oh, pourtant, nous, on fabrique. À cause d'une dimension seulement qu'on a de plus. Si tu prends quelqu'un qui a la 3G, elle est son portable. Aussi tu as smartphone, mais le réseau qui s'affiche là-bas c'est 2G. Lui il a smartphone aussi, le réseau qui s'affiche c'est 3G. Télécharger la même chose. Toi tu vas faire un mois, ça ne télécharge pas. Lui il va finir ça en 2 minutes. Amen, amen. Toi ton portable va refuser. Amen. Il va te montrer que internet que tu as là ne peut pas télécharger ce que tu veux là. Amen. 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 Donc l'écart entre les animaux qui sont dans deux dimensions, une seule dimension que nous on a de plus. Regardez ce que nous sommes les animaux. Regardez comment on peut le contrôler, on peut le maîtriser, quelle que soit la puissance, on prend les tombes. C'est juste. Amen. Amen. Alors quand on monte maintenant pour aller à la quatrième dimension, alors les êtres qui vont à la quatrième dimension, imagine ce qu'ils deviennent. C'est des super hommes. Tu n'as rien à voir avec eux. Dites amen.
Parce que quand on parle de 4G, 5G, en même temps, les gens sont en train de faire des dessins animés. Il y a des dessins animés qui ont dessiné simplement et puis les gens essayaient d'animer ça. Après, ça, on peut prendre que ça, c'est la 1G. La 1G. C'est la matière, ils dessinent et puis ils ne savent pas comment ils vont animer ça. Après, maintenant, ils sont arrivés à la 2G. 2D. Là, on parle de D. 1D, 2D. La 2D, si le frère Magloa était là, il travaille avec ça, les 2D, les 3D. Même notre logo sur Internet, il a fait ça en 3D. À la 2D, on arrive à faire les dessins animés que vous regardez. À la télé, c'est la 2D qui fait ça. Donc la 2D a fait évoluer les dessins animés. Maintenant, arrivé à un niveau, il y a la 3D. La 3D fait ce que la 2D ne peut pas faire. Mais qu'est-ce que l'être humain est en train de faire en réalité? Amen. Vous allez pas à pas, vous allez saisir. Amen. Cette image, c'est dimension 2. Amen. Vous savez, en ce temps de la fin, Dieu même, pour montrer qu'il existe, amen, il a passé par la science. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Il a passé par la science, amen, il s'est fait photographier. Amen. Donc, à cause des appareils scientifiques, on voit aujourd'hui que Dieu existe. Amen. Dieu a paru au ciel. Nous, on n'était pas là. Les yeux naturels ont vu. Mais pour que nous, on va voir ça aujourd'hui quand on va venir. Amen. Les gens ont tiré la photo. Ça a été photographié. Ça a été filmé. Et aujourd'hui, on peut aller sur le net, on voit. On peut voir les images. Parce que Dieu a laissé des traces dans la science. Pour qu'aujourd'hui, on puisse voir ce qu'il a fait. Donc, Dieu a utilisé la science aujourd'hui pour s'afficher dans le monde. Amen. Donc, quand on parle des dimensions, aujourd'hui, les scientifiques ont essayé d'expliquer les dimensions. Amen. Amen. J'essaie d'expliquer les dimensions et les technologies à ce qu'ils comprennent. Alors, Dieu peut les aider à avoir une pensée à peu près de ce que c'est la dimension. Amen. On dit, mais c'est les païens. C'est parce que eux, j'ai expliqué que nous, on va prendre pour croire. Amen. Amen. Mais Dieu a passé par là. Et tant que ce qu'ils ont démontré ne contredit pas la Bible, et que le Saint-Esprit te convainc que ce n'est pas loin de la vérité, tu penses à pouvoir appuyer la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, ici, les scientifiques disent, cette image que vous voyez, j'ai écrit la deuxième dimension. Amen. Est-ce que la dimension zéro, c'est un point? Un point, ça veut dire que le premier point qui est ici, ça c'est la dimension zéro. Amen. La première dimension, c'est quand il y a deux points. Donc ça fait un trait. Donc un trait fait la première dimension. C'est ça qui est la matière. C'est ça qui est la terre. Amen. Donc vous allez comprendre tout ça là bientôt. On va pas à pas. Amen. Maintenant la deuxième dimension, c'est quand la chose se répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux points qui sont ici, amen, se répètent ici. Et le trait qui les a alignés le se répète ici. C'est ça qui fait dimension 2. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que les scientifiques ont vu? Ils voient qu'il y a une liaison. Donc, il y a des... On appelle ça comment? Il y a un mot qui... Il y a un mot qui dit ça. Hein? Donc, il y a des barres qui les relient. Bon, on va prendre ça bas. Amen. Il y a des barres qui les relient. Donc, ça devient comme un carré. Donc, les deux dimensions, il y a une dimension ici,
une dimension ici, mais qui sont forcément reliés, ne sont pas indépendants, dont la terre n'est pas indépendante, sont forcément reliés et ça devient un carré. Maintenant, pour trouver la troisième dimension, parce que ça c'est la deuxième dimension qui est un carré. Amen. Pour trouver la troisième dimension, donc le schéma se répète. On a d'abord un carré pour faire deux dimensions. Alors, la dimension doit se répéter. Donc, on a encore un autre carré ici. Amen. Qui vient. Donc, ça nous fait deux carrés. Maintenant, ça doit être relié. Donc, quand c'est relié, ça devient un tube. Amen. Donc, la possibilité de ce qui est dans ce cube là, il fait, c'est 100 fois, 1000 fois plus que celui qui est dans le carré ici. Amen. Si vous partez faire les recherches, vous allez voir. Parce que le carré, le cube qu'on a ici, la personne. Beaucoup de possibilités. Amen. 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 Donc la personne a beaucoup de possibilités qu'il peut faire, que celui-ci ne peut pas faire. Donc c'est des possibilités. Ce que tu peux faire en tant que dimension 2, qui sont les animaux, nous, ce qu'on a comme possibilité, il ne peut pas faire. Mais nos possibilités, malgré qu'on a possibilité de plus, mais on a beaucoup plus de possibilités que les animaux. Maintenant, pour trouver la quatrième dimension, regardez un peu comment ça ressemble. Ce que ça ressemble, la quatrième dimension. Et c'est ça qui influence la terre actuellement. La quatrième dimension, c'est une cube qu'on a dit, cube, c'était la troisième dimension. Ça se répète en deux cubes. Et ils sont reliés. Donc ça devient quelque chose comme ça. Donc ça donne encore cette personne qui est ici. Amen. 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 Jésus était sur la terre. Amen. Jésus savait qu'il devait vivre dans un autre monde étant sur la terre. Et quand Jésus arrivait à faire certaines choses qu'un homme naturel ne peut pas faire, amen. Il est devenu le Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Dites amen. Amen. Pour que Einstein soit ce qu'on parle de lui, ça ne finit pas. C'est parce que Einstein a réussi à entrer dans cette dimension. Donc Einstein est devenu un super homme. Amen. Amen. Parce que ne brouillez pas les pistes. Il y a quelqu'un qui pouvait dire quand Élie a vu l'ange qui lui a nourri, l'ange, c'était la sixième dimension. Donc, il était dans la sixième dimension. Quand Pierre était en prison, et qu'un ange est venu le faire sortir de la prison, amen. Pierre était dans la sixième dimension. Non. C'est une erreur. Dites amen. Amen. Le fait de voir un être qui quitte dans les dimensions pour venir ne te fait pas entrer dans la sixième dimension. Amen. Sinon, ton âme voyait toujours les anges matin, midi, soir. C'est les gens le rendaient visite, mais il n'était jamais dans la sixième dimension. Il fut un jour où Dieu dit, je vais te faire voir ce qui est ici. Ce qui est ici. C'est différent. Dites amen. Amen. Si le fait de voir un ange veut dire que tu es entré dans sa dimension, c'est que quand Banam a vu Satan, c'est qu'il était en enfer. Mais la dimension de Satan, c'est l'enfer. C'est amen. Dites amen. Amen. Ces êtres qui vivent ici, puisque c'est relié à la terre. La terre, nous, on a trois dimensions qui cubent ici. Donc, pour avoir quatre dimensions, il faut deux cubes reliés. Donc, la terre est dans le monde. La terre est dans le monde de ceux qui sont de l'autre côté. Amen. Dites amen. 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 Donc, les anges, quand ils viennent chez nous ici, amen. Ils ne sont pas perdus.
Mais c'est nous qui on va chez eux, on est perdu. Sinon on va en brousse, on n'est pas perdu. On va dans le monde des animaux, on n'est pas perdu. On rentre même dans l'eau, on porte des casques dans l'eau, on n'est pas perdu. On maîtrise tout, on commande tout, on va le commander même les baleines qui vivent là-bas pendant des années. Les dompter. Amen. Mais elles peuvent venir ici. Mais comme nous sommes dans une forme de trois dimensions, et ils sont dans une forme de quatre dimensions, on ne peut pas les percevoir. Dites amen. Parce qu'elles sont dans une certaine vitesse. Hein? Amen. Va pas à pas. Regardez un peu. Amen, amen. Quelqu'un qui est là dans la quatrième dimension. Un homme normal, comme toi et moi, si nous sommes dans la quatrième dimension, tu n'auras pas de problème. Tu seras couché chez toi à la maison. Amen. Tu veux manger, tu tends ta main, manger sort. Oui, amen. Tout ce que tu veux, tu l'as à l'instant sans bouger. Amen. La quatrième dimension. Amen. Regardez ce que vous êtes. Maintenant, regardez ce qui est plus que ça. Qui est comme vous et les animaux. Regardez ce qu'ils vont être. Si il veut être en Amérique, il ne bouge pas. Il reste sur lui à la maison. Puis il est en même temps en Amérique. Il n'en peut pas de vécu. C'est ça la quatrième dimension. La quatrième dimension, tu peux prendre ton frère, ta soeur, tout le monde, met dans ta poche. Et puis ils vont entrer. Et puis, on aura tous la place pour eux. Vous savez de quoi il s'agit? C'est pour cela qu'elles peuvent entrer dans le cœur des... Et puis ils sont dans un palais. La quatrième dimension n'a pas de limite. C'est pour cela qu'il faut faire ça en deux mondes. Donc quand j'ai dit l'application, c'est la quatrième dimension. Sinon on va parler des autres dimensions. Mais pourquoi je nomme ça la quatrième dimension? Amen. Est-ce qu'il y a deux mondes en réalité? Dites amen. Il y a deux mondes en réalité. Il y a le monde humain et il y a le monde esprit. Le monde humain a trois dimensions. Amen. Le monde esprit a quatre dimensions. Amen. Amen. Quand tu es un homme, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu moins, toutes tes connaissances, tu vis dans trois dimensions. Maintenant, quand tu vas dans le monde astral, si les gens peuvent appeler quoi, à sa esprit spirituel, où se trouve Dieu, les anges, les démons, les morts, tout ça, c'est la quatrième dimension. Je résume ça en quatrième dimension, parce que là-bas, les mêmes lois qui résident à la quatrième dimension sont éparpillées dans toutes les dimensions. Si vous comprenez. Ici sur la terre, on a une loi qui régit toutes les trois dimensions. Parce qu'en tant qu'être humain, en tant que des animaux, on vit ensemble. On a quelque chose de différent dans notre dimension. Mais on vit ensemble. On est sous le même soleil. On est sous la même terre. On a les mêmes réalités. Quand il pleut, nous tous on se cherche. Les animaux se cherchent, aussi tu te cherches. Quand il fait chaud, aussi ils ont chaud. Souvent quand tu es à la maison, tu as chaud, tu vois ta poule aussi, elle cherche un point pour s'abriter. Dites amen. Donc, quelle que soit première dimension, deuxième dimension, troisième dimension que nous sommes dedans, la terre, les animaux et l'homme, nous vivons les mêmes réalités. C'est comme ça à partir de la quatrième dimension. À partir de la quatrième dimension, quelqu'un qui est là-bas peut entrer dans ta poche. Satan peut entrer dans ta poche. Dieu peut entrer dans ta poche, les anges peuvent entrer dans ta poche, toi aussi ils peuvent mettre tout le monde là dans leur poche et puis se promènent. Dites amen. Ils peuvent paraître partout à la fois. Amen. Si tu es dans une dimension, qu'est-ce qui te diffère de l'autre dimension? Amen. Parce que Dieu est à la septième dimension. Ça veut dire qu'il est ici. Quand
l'âme dans l'âme est partie à la sixième dimension, c'était ici, sous l'autel. Ça veut dire que Branham était parti ici et après lui, c'était Dieu, dans une autre dimension. Donc, où les cinq, il est parti voir, c'est la sixième dimension. Maintenant, quand Branham fait les calculs, il dit, après nous les vivants, on trouve d'abord le Saint-Esprit. Ça veut dire que où les saints, ils meurent, ils s'en vont. C'est eux qu'on trouve. Après qu'on les ait trouvés, on trouve maintenant les anges. Ils sont dans une autre dimension. Et après les anges, maintenant Dieu. Amen. C'est là maintenant que on doit comprendre quelque chose ici. Amen. L'homme est à la sixième dimension. La Bible dit que tous les âmes qui sont sous le terre, et Branham est à la sixième dimension. Et mais le même Branham dit les anges sont à la sixième dimension. Et que la sixième dimension est dessous. Parce que quand tu montes, tu trouves d'abord le Saint-Esprit, les anges et puis Dieu. Amen. Maintenant, où placer la sixième dimension où Branham dit, il est parti voir les saints, c'était la sixième dimension. Il a nommé ça six. Amen. Parce que tu dois prendre un sujet, tu ne vas pas faire ça comme Branham a fait. Amen. Branham a fini, mais quand tu vas lire, tu vas dire, mais si les saints sont à la sixième dimension, et qu'après tu dis encore que les saints sont en bas, c'est eux on trouve d'abord à la cinquième dimension, et qu'après eux, on trouve maintenant la sixième, et qu'après la sixième, maintenant c'est le... La sixième, c'est les anges, et après ça, c'est Dieu. Comment placer ça? Et toi, tu viens développer, tu viens répéter la même chose, tu n'as rien fait. Amen. Tu dois résoudre l'équation que Branham a mis là. Quand Branham dit, il y a trois en haut, trois en bas, et qu'au milieu, c'est la terre. Or, lui, Branham a encore été dans deux situations, que nous, on vit aussi dans trois dimensions. Il confirme ce que les scientifiques disent qu'on vit dans trois dimensions. Mais si on vit dans trois dimensions. Donc dans les sept, nous, on a trois. Alors si on a trois, alors ça veut dire qu'il doit rester quatre. Donc s'il doit rester quatre, ça veut dire qu'il doit rester deux en haut, deux en bas. Mais pourquoi le même Branham dit, il y a trois en haut, il y a trois en bas. Amen. Vous savez? Quand tu prends une voiture... Au temps de Branham, la voiture qui roulait, c'était une Chevrolet. Une Chevrolet. Et quelqu'un connaît un peu la forme de cette voiture, là, le modèle de cette voiture. Aujourd'hui, regardez les 4x4 que les ministres roulent dedans. Les voitures blindées. Les voitures qui coûtent 100 millions là. Comment ça s'appelle? Les Nebag, les Hammer, mais c'est la même voiture. Mais cette voiture, quand elle arrête devant une autre voiture, elle n'est plus une voiture. Alors si chacun de nous a des voitures, on doit savoir si c'est un Hammer ou bien si c'est une Chevrolet. Amen. Donc, nous avons trois dimensions ici. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais je veux garder d'abord. Donc, nous avons trois dimensions au milieu ici. On a les trois dimensions. Comment ça se fait? Est-ce que l'être humain, comme on nous a dit, quand Dieu est venu, il a créé les trois dimensions. Il a trouvé la lumière, il a trouvé les ténèbres, il a fait la terre. Ça fait les trois dimensions qu'il nous a donné en tant qu'un être humain. Donc, les trois dimensions... La première dimension ici se trouve en l'homme. La première dimension en dessous de la terre se trouve en l'homme. Dites Amen. Quand les morts, ils meurent, ils vont carrément sous l'autel. C'est-à-dire sous, je ne parle pas les morts en Christ, hein. Les morts païens. Quand ils meurent, ils vont sous la terre.
donc sous notre terre à nous, sous la terre. Donc ils sont ici. Mais leur premier contact, c'est nous. C'est pour cela, un homme peut voir plus facilement un mort qu'un démon. Quand tu rêves, tu peux voir plus facilement ton parent qui est décédé qu'un démon. Parce que les parents qui sont décédés, les morts, ils sont plus proches de nous, ils font partie de nous, que les démons qui sont plus éloignés de nous. Donc une partie de la dimension qui fait partie des trois sphères, le côté péché, le côté obscur, le côté où l'apôtre Paul dit, il n'arrive pas à dompter ça, il doit dompter, il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Le côté où il dit, je veux faire le bien, mais le mal, il n'arrive pas vraiment à dompter. Donc, ce côté-là est dans l'homme. Donc, il y a une dimension céleste qui est dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme arrive à faire le mal. L'homme arrive à se détruire. C'est l'enfer dans l'homme. C'est le péché dans l'homme. C'est tout ce qui est le monde de Satan qui est une dimension en nous. Cette dimension. Cette dimension, une dimension te permet de faire quelque chose que quelqu'un qui n'a pas cette dimension ne peut pas faire. Amen. Donc, étant dans un être humain, nous avons en nous la dimension de Satan. La dimension de la première phase du séjour des morts qui est en nous. Donc, ça c'est la terre. Il dit ça c'est la terre, c'est pas nous d'abord. La terre, c'est la matière. Mais dans l'être humain, la première partie de Dieu et la première partie de Satan se retrouvent dans l'être humain. Amen. Voilà pourquoi cette personne est influencée par ce qu'il a en lui réellement. Que si toi, tu viens des ténèbres, tes parents qui sont morts, ils t'attirent de l'autre côté de la mort. Parce que tous tes cordons ombilicaux, ils sont déjà là. Amen. Quand tes parents sont au ciel, tu veux, tu ne veux pas, tu vas aller au ciel. Parce que ton corps ombilical déjà est au ciel, et une partie de Dieu est en toi. Cette dimension qui sont dedans, c'est une dimension qui vit déjà en toi. Comme si la dimension de Dieu, Amen. Pas encore de la quatrième dimension, de la dimension, qui est une troisième dimension qui est en toi, qui est la lumière. Ça, c'est la dimension de Dieu en toi. Ce qui fait que tu peux voir des gens faire le mal à un niveau que tu ne peux pas faire. Tu peux voir les gens rester à la maison le dimanche, mais à un niveau que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a une dimension en toi qui est aussi réelle pour toi que le côté obscur qui est moins réel. Tu t'amènes. Parce que ça est en toi, mais il n'y a pas de racines. Or, les autres, cette dimension est en eux, mais il y a la racine. Tous les parents, tous les alliés, tous les cordons ombilicaux, c'est tout le séjour des morts. Donc cette présence de la mort en eux les attire dans la mort. Amen. Donc l'être humain est sur la terre. Donc la première dimension, qui est la dimension une, qui est la terre, l'être humain il a ça et puis il a deux en lui. Amen. Donc nous prenons celui qui est tout près, c'est-à-dire qu'on prend les saints qui sont morts, qui nous influencent, ils font partie. Leur esprit est en nous, leur Saint-Esprit est en nous, toutes les âmes sont en nous, on les représente, tout ce qu'on fait, ça les concerne, on a une partie d'eux, c'est nous les rend parfaits, malgré qu'on est sur la terre, tous nos œuvres ici les concernent. Et ils sont en nous. Et c'est nous qui travaillons maintenant. Ténèbres est dans l'homme. Alors, si cette dimension est en toi, tu peux la développer. Mais tu peux ne pas la développer. Mais ça ne dépend pas vraiment de toi. Ça dépend de là où tu as des racines qui t'attirent. Maintenant, quand on prend une dimension de dessin animé, parce que l'homme doit créer. Il existe dans la nature de l'homme de créer. D'envoyer à l'existence ce qui n'existe pas.
Voilà pourquoi depuis qu'on est né, on aime dessiner. On aime donner des formes à des choses que nous on prend dans notre tête et puis on dessine. Souvent ce qu'on dessine n'est pas forcément ce qu'on a vu à la télé, une répétition de ce qu'on a déjà vu, mais certainement c'est nos imaginations qu'on veut mettre ça à jour. Même quand tu dessines pour quelqu'un qui a déjà dessiné, c'est l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un s'est assis, il a dit, il veut que son chef bandit soit comme ça, son bras soit comme ça, et il dessine ça, il met ça à jour. Amen. Et l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme lui a permis d'animer sa création. Parce que Dieu a créé. Nous aussi, nous sommes en train de créer. Donc nous créons en forme miniature encore. Mais la chose doit aller de gloire en gloire. Alors l'homme a soif de faire comme Dieu. Pourquoi souvent ils sont là et disent, Dieu fait l'homme. Parce que ce côté de création de Dieu est en nous. Donc ils ont dessiné, ils disent, bon, on va faire la beauté. On va encore plus parfait notre destination, notre dessin animé. On va rendre ça encore plus parfait. Donc ils créent un monde. Toi, souvent, quand tu regardes les dessins animés, mais tu aimes pas un beau paysage. Le petit garçon, il est dans une belle forêt. Le monsieur, il a imaginé un monde. Et il a mis ça. Et il anime ça. Et quand il anime l'animal, l'être humain est dedans et ça le plaît. Amen. Donc, c'est la création de l'homme selon les dimensions. Donc, quand on arrive à la troisième dimension, qui est la 3D, la chose devient encore plus réelle. Parce que quand tu vas voir ce que les gens du monde font, ils sont en avance sur ce que nous les chrétiens on doit être. Ou de peut-être qu'on est déjà ça, mais ils sont plus conscients de ce qu'ils sont que nous. Alors ils ont dessiné, ils ont fait la 3D, tu vois, tu regardes les dessins animés, tes voitures. Mais on dirait que c'est vrai, vrai. Ils sont dans les maisons, tous les personnes que c'est une vraie maison. Parce que maintenant, ils ont fait la chose par l'ordinateur, par des logiciels. Et ils ont perfectionné leur monde. Ils ont rendu ça encore plus réel. Dites amen. Et ça va vers ce que Dieu veut que chacun de nous soyons. Dans des imaginations, devant ce que nous voulons. Mais nous, ce n'est pas pour créer des êtres humains. C'est pour créer un monde, une atmosphère, une présence. Ce que nous voulons autour de nous. Quand tu entres dans cette quatrième dimension, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Amen. Branham, il a envoyé une réunion. Il est en Amérique, la réunion devait se fonder en Allemagne ou bien quelque part dans l'Europe, très loin. Il devait prendre un avion pour partir. Ils ont pris les tickets. L'heure où l'avion doit décoller, c'est arrivé, on ne voit pas Branham. Alors les gens disent que mais faut qu'on l'appelle parce que l'avion va partir. Il prend le téléphone, on l'appelle. Il est dans sa chambre hôtel déjà. Je ne sais pas le pays, mais il a dit. Si ce n'est pas en Allemagne, hein? Il est déjà en Allemagne dans la chambre d'hôtel que les gens ont déjà loué pour lui. Il est couché là-bas tranquille. Ils sont venus à l'aéroport ensemble. Ils ont pris le ticket ensemble. Ils ont été invités dans un pays pour aller faire campagne là-bas. Au lieu que lui, il va prendre l'avion, lui, il rentre dans la quatrième dimension. Parce que ça, ce n'est pas une dimension terrestre. La dimension terrestre, soit tu marches sur un chevaux. Soit tu prends la voiture que les gens sont entrés de là-bas pour venir fomenter ça pour nous. C'est ce que tu pouvais faire, soit avion. Mais rester là et apparaître là où tu veux aller, ça c'est le monde de la quatrième dimension où on ne bouge pas, où on ne fait rien avec soi. Où ce que tu veux, tu es couché sur les lits. Ce que tu veux, tu as ça. Dans la quatrième dimension, on n'est jamais en retard. Tu t'amènes. C'est les êtres vivants. Les êtres vivants, eux, ils regardent devant.
Ils ont les yeux qui regardent devant. Les yeux qui regardent derrière. Ils ont les yeux qui regardent Titan. Ça veut dire, ils contrôlent tout ce qui se passe derrière et dans le passé. Ils peuvent être toujours dans le passé. Ils peuvent être dans le présent. Et ils sont dans l'éternité. C'est une autre forme de vie. C'est-à-dire que tu peux être ici et vivre dans le temps de Jésus. Dans la quatrième dimension. Tu peux quitter ici, te téléporter, si on peut emprunter ce mot. Pour que vous compreniez, parce que c'est le mot que les gens utilisent quand ils font ce genre de choses. Tu peux être ici et aller dans le passé et voir ce que tu es quand tu faisais quatre pattes. Avoir les yeux derrière, les yeux devant, les yeux dans l'avenir, et dans plusieurs dimensions en même temps. Réunir tout dans un seul endroit. C'est-à-dire que où tu es là, le passé, le présent, le futur, tout est dans un seul endroit. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de présent. Tout est une vie et tu es là et tu es là. Même quand on va dire éternité, ça n'existe pas chez toi. Parce que il n'y a pas de fait pour qu'il y ait éternité. Tu es là. C'est parce que nous on meurt aujourd'hui que le sens éternité, quelque chose, mais les anges, ça ne leur dit rien. Tu vas aller dire à un ange éternité, ça veut dire quoi? C'est une vie, une vie. C'est pas quelque chose qui va pouvoir peut-être dire que non, c'est qu'on meurt, on ne meurt jamais, on est dedans, on est dedans. Moi, je suis là. Ce que tu as fait hier, je peux te renvoyer, c'est qu'on va revivre ça. C'est une puissance. Mais tout est possible au-delà de cette dimension. Quand on ajoute une seule dimension, sur notre dimension, nous quittons dans le monde humain. Nous rentrons dans le monde de Dieu. Et étant dans le monde de Dieu, là-bas, il y a des catégories de puissance. Amen. Nous sommes ici, nous sommes tous sur la terre ici. Mais on est différents des animaux. Mais regardez ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, au début du monde. Il a créé les animaux. Il a créé aussi Adam et Ève, qui sont les êtres humains, dimension supérieure, qui vivent dans trois dimensions. Et il crée un animal qui est dans deux dimensions, qu'on appelle le serpent ancien. Les autres prédications vous ont fait aimer certaines choses. Aujourd'hui, on va vous faire aimer le serpent ancien. C'est-à-dire que vous-même, vous serez là, vous allez aimer tout sur la terre ici. Il n'y a pas un que vous n'allez pas aimer. Même Satan, vous allez aimer. Même l'enfer, vous allez aimer. Vous n'allez pas avoir peur de l'enfer. Dites amen. Si Jésus a peur de ça, il ne descendait pas là-bas. Il aimait tout. Le serpent ancien, Dieu l'a placé comme quelqu'un qui pouvait causer avec les gens dans la crise, qui sont dans une autre dimension. Dites amen. C'était un être supérieur, un être parmi les animaux, mais il était supérieur, qui avait la capacité de causer avec les gens qui sont dans l'autre dimension, qui ne sont pas dans sa dimension, les comprendre. Dites amen. Alors chacun de nous, nous devons être des serpents anciens. Amen. Dites amen. Chaque fois que tu dois être un serpent entier, tu dois te référer à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était sur la terre et puis il a été ravi dans le septième ciel, qui n'est même pas le domaine des trois éléments, les trois dimensions d'un être humain. Il s'est retrouvé là-bas comme le serpent entier. Il a causé avec Dieu. Et puis descend dans la pensée de Dieu. Dit amen, même son comme le serpent entier. Il a causé avec l'homme. Mais l'homme au monde. Si vous comprenez, les gens, les scientifiques, ils montent dans la quatrième dimension. Ils causent avec les êtres qui sont là-bas. Et puis ils descendent, ils les enfantent ici. Ils font les voitures, les avions, tout ce que vous voyez. Ce sont les serpents anciens. Les scientifiques sont les serpents anciens. Chaque fois qu'il y a un être qui n'est pas dans une dimension et qui arrive à causer avec les gens qui sont dans une autre dimension, il est à l'image du serpent ancien que Dieu a fait, qui
Il a dit que Dieu n'aimait pas les serpents anciens. Il lui a donné une position que tous les fils de Dieu doivent avoir. Dites amen. Jésus était sur la terre, il était dans trois dimensions, comme toi et moi, nous sommes dans trois dimensions. Mais quand il se retrouve seul, il cause avec les anges. Il cause avec eux. Il arrive à prendre certains chanteurs et il vient accoucher ça ici. Mais où toi, Jésus, tu as appris ça? Tu es né avant hier. Tu connais ton papa, tu connais ta maman, tu n'as pas fait école. Où tu as appris ça? Moi, je n'ai pas appris ça dans les trois dimensions ici. Je suis entré dans la. Amen. Praise God. Je suis entré dans la quatrième dimension. Retenez que toutes les dimensions là-bas, résumez ça en quatre. Parce que dès que tu franchis le seuil, pour arriver à quatre, les réalités sont jusqu'au sept. C'est les puissances qui changent. C'est comme quelqu'un qui descend sur la terre. Il va dire, non, je suis dans une dimension. Je suis encore animal. C'est comme les sorciers qui s'échangent en des animaux. Il est animal. Il est dans deux dimensions. Mais il est dans la terre. Il connaît toutes les réalités d'ici, comment les choses fonctionnent. Alors il va dire, je suis déjà dans la dimension de l'être humain, mais dans la dimension 2. Parce que je suis encore un animal. Amen. Alors quand tu franchis le terrain et que tu arrives dans la quatrième dimension, tu fonctionnes déjà comme Dieu. Tu penses déjà comme Dieu. Tu ne fonctionnes plus comme un être humain. Tu deviens comme un esprit. Tu es sur la terre, tout ce que tu veux, tu fais. Donc quand on parlait des dessins animés, parce que l'homme doit arriver à poser tout ce qu'il a dans sa tête. Alors les hommes ont commencé à faire des dessins animés. Maintenant on regarde les dessins animés, on a l'impression que c'est la réalité. Les dessins qui sont dedans ressemblent beaucoup plus à l'homme. Mais ça c'était avec la 3D. Maintenant nous sommes arrivés à la 4D. Et maintenant, nous arrivons maintenant à utiliser ça avec la 5G. La 5G qui est déjà sortie, ils vont faire les lancements dans les mois qui viennent. Et lui, il vient pourquoi? Pour parfaire l'œuvre de l'être humain. Amen. Avec la 4G, on est arrivé à robotiser beaucoup de choses. On est arrivé à rendre les ordinateurs très puissants, les portables très puissants. Donc la 4G ne vient pas vraiment à cause des portables. Amen. Si tu as la connexion en 4G, tu fais ce que tu veux, rapidement c'est arrivé. Mais la 5G, c'est comment? La 4G fonctionne à 1200 en vitesse, 1200 fichiers. 1200 fichiers par seconde, bien par liste. Et qu'est-ce que 1200 fichiers? Maintenant, la 5G, lui, c'est 3300 informations rapidement. Donc, c'est presque multiplié par 3. Alors, la 5G est considérée comme il est 100 fois plus rapide que la 4G. 100 fois plus rapide que la 4G. C'est-à-dire que si toi, tu as un portable de 4G et que tu télécharges certaines choses en 30 secondes avec la 5G, dès que tu appuies, dès que c'est fait, parce que c'est le monde de la rapidité, dans le monde où on va à la vitesse de l'éclair. Donc il faut que plus on avance dans la dimension, plus on devient de plus en plus rapide. Mais cette rapidité là, c'est pourquoi au juste? Ce n'est pas vraiment à cause des portables que nous avons. Amen. Parce que l'être humain est arrivé à un niveau où il doit devenir comme Dieu. Amen. Mais tant qu'il dessine, tant qu'il fait des jeux vidéo, et qu'il regarde les êtres dans les jeux vidéo, même quand c'est lui qui joue, mais ce n'est pas des êtres réellement qui participent des choses ensemble. Ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas de réalité ensemble. Tu regardes un film, tu regardes les images, jeux vidéo, c'est toi tu bouges les pions dedans. Tu fais tout pour les pions, mais toi-même tu n'es pas dedans. Et ils ne sont pas avec toi ici.
C'est comme s'ils sont dans une autre dimension. Et toi, tu n'es pas dans leur dimension. Or, les dimensions se relient. Donc, quand on parle à 5G, les scientifiques ont quelle pensée? Est-ce que c'est pour parfaire le dessin animé sous une autre forme? Dites Amen. Et cette fois-ci, c'est pour arriver à faire des robots. Les dessins animés qu'on fait et qui font les choses à la télé, ne sont pas avec nous. Parce qu'avec la 4G, les robots ne sont pas aussi efficaces qu'on veut. Ils n'ont pas une rapidité d'intervention comme on veut. Mais avec la 5G, oh, la 5G, c'est comme s'il descendait la cinquième dimension sur la terre. Voilà pourquoi tout le monde a peur. Parce que c'est comme si c'est Satan qui veut déposer ici. Mais en réalité, c'est Satan. Parce que les robots qui sont en train de fabriquer, qui vont fonctionner à l'aide de la 5G, ils seront autonomes. Ils auront une puissance de rapidité d'intervention. Tu seras avec des robots que vous avez fait des choses ensemble. Donc l'être humain est en train de créer un monde qui devient de plus en plus réel avec lui. Donc quand la 5G descend dans un monde où nous sommes ici, nous sommes à la 3G. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à monter à la 4G. Mais les chrétiens, nous, quand nous causons par exemple, le chrétien est dans les trois dimensions. Quand Jésus est descendu, il avait quelque chose à faire. Jésus savait que il était dans d'autres dimensions, mais chaque dimension détient des particularités. Quand Satan tombait du ciel, Satan n'est pas tombé du ciel seul. La Bible nous dit, Dieu a donné la clé de l'abîme à Satan. Ça veut dire que la clé de l'abîme lui fut donnée pour qu'il ouvre. Mais quand tu lis, c'est quand il ouvrit, on dirait le cinquième, à la cinquième trompette, que quand Satan tombait du ciel, il dit, il vit Satan tomber du ciel, comme une étoile qui tombe du ciel, et la clé de l'abîme lui fut donnée pour qu'il ouvre l'abîme, pour que la vapeur sorte là-bas. Et c'était Satan. Alors quand Dieu, lui, il descendait sur la terre, il savait que depuis qu'il a jeté Satan sur la terre, il a donné une clé à Satan. Qui faisait que Satan maîtrisait une dimension dans sa main, qui était la dimension de l'abîme. Tout le perdu, c'était Satan qui les maîtrisait. Alors lui, Jésus, il devait non seulement descendre où tout le monde meurt, il s'en va, où il a péché aux âmes perdues. Traverser les démons, aller trouver Satan pour lui arracher la seule clé. Je peux dire ça comme ça, sinon il a dit la clé de la mort et le séjour. Mais tout ça, c'est la clé que Dieu a donnée à Satan quand Satan tombait du ciel. Donc, en tant que fils de Dieu, quand tu dois aller au ciel, amen. Quand tu dois monter à la sixième dimension, en tant que maître de la terre, en tant que maître de toutes les dimensions, tu dois avoir la clé de toutes ces dimensions-là en tes mains. Ça veut dire que si tu es ici, même si tu es ici, à la sixième dimension, et que tu veux qu'un mort qui est dans le séjour des morts quitte là où il se trouve pour monter sur la terre, tu vas parler, Satan ne pourra pas parler. Parce que toutes les dimensions, tu as une puissance pour gérer tout ensemble. Et c'est comme ça, Dieu, tu es le maître de toutes ces dimensions. C'est-à-dire que le même Dieu qui est là, amen. Vous voyez l'image? Je vais vous montrer l'image. Je vous ai montré la quatrième dimension. Qu'est-ce que c'est? La quatrième dimension, c'est ça, deux cubes reliés par des traits. Ça nous fait quelque chose comme la quatrième dimension. Maintenant, voici la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est ça, sont répétés deux fois et puis reliés
Ça, c'est la septième dimension. La sixième dimension. Quand vous voyez, je peux vous donner la portée réelle. Ce que c'est même, ce qu'on appelle dimension. Quand on parle de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, tout ça c'est spirituel. Amen. Amen. Please God, amen. Donc, ici, ce que nous avons ici, à un format, c'est répété deux fois ici pour que ça soit la sixième dimension. Donc imaginez la puissance, il augmente. Quelqu'un qui a la quatrième dimension, quand il arrive à la sixième dimension, il a deux fois. Et cette possibilité de deux fois, lui rend 100 fois plus fort, 1000 fois plus fort que celui qui est à quatre dimensions. Donc les démons, quand un homme meurt et puis il va dans le séjour des morts, les démons ont plus de puissance que lui. Parce que les démons, ils peuvent même posséder un être humain. Il fait faire certaines choses. Or, le mort, lui, a dit qu'il ne peut pas faire. Il peut peut-être posséder un être humain, peut-être pour parler comme peut-être ce que les gens font au village. On se demande même si c'est vrai. Mais c'est les démons qui possèdent. C'est les démons qui ouignent les gens. C'est les démons qui arrivent à faire parler les gens ce qu'ils veulent. Alors, si tu vois un mort en train de posséder quelqu'un, tu dois te poser des questions si c'est réellement le mort. Donc, la dimension dans laquelle les démons sont, la capacité des morts ne vaut pas un démon. Quand quelqu'un meurt, on a regardé des vidéos qui montraient les gens qui mouraient, qui n'étaient pas sauvés. Les âmes commencent à errer un peu. Mais un démon ne erre pas. On a des fantômes qui existent réellement. Des gens que leur temps de vie n'est pas encore terminé et qui s'est coupé. Ça, ça existe. Le roi, Isaïe est parti proclamer la mort sur lui, qui dans 3 jours tu vas mourir. C'était pas en 3 jours même, tu as calculé qu'il devait mourir, tu as coupé sa vie. Quand tu lis, tu comprends que Dieu l'a pas ajouté. Tu étais venu pour couper à sa vie, tellement il est mauvais. Beaucoup de personnes, tellement qu'ils agissent mal, ils meurent avant leur temps de vie. Voilà pourquoi il y avait, ici c'est le. Hein? Le quoi là même? Le sage, Ecclésiaste, il a dit pourquoi tu vas mourir avant ton temps. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Donc le roi, Dieu lui avait dit que tu vas mourir maintenant. Et il a pleuré. Il dit pourquoi il doit mourir, Dieu, pourquoi? Pardonne-moi. Et Dieu revient, Dieu dit il t'ajoute 15 ans. Pourquoi Dieu a dit 15 ans? Pourquoi dit 5 ans? Pourquoi dit 8 ans? Parce que Dieu l'avait coupé 15 ans de vie. C'est-à-dire qu'il allait mourir 15 ans plus tôt que le temps même que Dieu lui a donné de vivre sur la terre. Alors, beaucoup de fils du diable meurent avant leur temps. Où les sorciers, les démons, les marabouts précipitent leur mort avant même le temps même que Dieu a donné. Alors, ces personnes-là, vous allez les comparer aux démons. Les démons sont dans une autre dimension. Dimension, c'est une capacité supérieure. C'est quelque chose que tu as de plus. Donc, tellement que tu es dans une dimension supérieure, une puissance supérieure, tu peux se retrouver même au milieu des anges, même des démons, et puis ils ne vont pas le voir. Dites amen. Hein? L'image de la septième dimension. Vous voyez, c'est 20 dimensions. Donc, ça veut dire que c'est ici, là, Dieu est. Tout ça par 4. Donc imaginez si ça multiplie par 100 000, les capacités que Dieu a. Donc quand Dieu descend lui-même avec tout ce qu'il est, il descend dans la quatrième dimension, il peut être devant les démons
Et les démons vont le regarder. Ils ne savent pas qui il est. Ils sont comme un point. C'est comme quand les anges, ils viennent dans nos présences. On a l'impression de ne même pas savoir ce que c'est. Un ange peut sortir ici, tu ne sais pas qui il est là. Les anges peuvent être ici, et puis tu ne sais pas qui il est là. Parce qu'en réalité, bon, vous devez comprendre que toutes les dimensions sont ensemble. Ça, vous savez, le frère Banham a parlé il y a longtemps, que toutes les dimensions sont ensemble. C'est-à-dire que la septième dimension, sixième dimension, quatrième dimension, tout est ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne se voit pas? C'est la capacité de puissance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, tu es là, tu montes à une certaine hauteur du Saint-Esprit, tu vas commencer à voir ceux qui sont morts en Christ, ils sont autour de toi ici. Amen, amen. Et vous faites tout ensemble. Amen. Mais c'est parce que tu es diminué dans ta dimension. Ta dimension est tellement petite. Quand le prophète Branham dit, quand il est parti de la sixième dimension, ce qui était là-bas était dilué, 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 jusqu'à ce que ça vienne là. Voici le dilué là que les scientifiques ont essayé de représenter. Donc, le s'éveille. Donc, pour arriver à notre dimension ici, la troisième dimension, vous voyez ce que nous sommes ici. Nous sommes une cube. Voilà le s'éveille ici. Maintenant, Dieu doit venir chez nous. Le Saint-Esprit doit venir nous oindre. Quel que soit ce qu'il va nous donner, on n'aura même pas la vraie compréhension du s'éveille. De la dimension 7, de la puissance que Dieu a. On ne peut pas. Même les scientifiques disent, tous les calculs de mathématiques, scientifiques, philosophiques, tout, ils n'arrivent pas à définir réellement ce que la quatrième dimension est. Parce que c'est quelque chose qui est hors de notre portée. Tous les démons qui sont dans la cinquième dimension, quatrième dimension, même si Dieu s'éveille, parce que oublier dimension, c'est un être. Il a une capacité que les autres n'ont pas. C'est ça qui fait qu'il est dans une autre dimension. Sinon, nous sommes tous ici les animaux. Mais nous sommes le trois. Hein, trois en anglais, c'est quoi? Tri. Nous sommes le tri au milieu d'eux. Donc, étant le tri, ils ne peuvent jamais nous maîtriser. Souvent même la fourmi est là, il ne sait pas qu'il y a un être humain qui est là, il monte sur ton orteil, il ne sait pas que c'est toi. Il ne peut jamais savoir que c'est l'homme. Il ne peut jamais connaître ton visage. Il est dans un autre monde. Or vous êtes dans le même monde. Amen. Donc si tu arrives même au milieu des démons, il peut te paraître invisible au milieu d'eux. Mais pourtant il est là. Parce qu'il a une puissance supérieure. Quand Banham est monté à la sixième dimension, il dit de voir Jésus. On dit Jésus est encore plus haut. Mais pourquoi il était plus haut? Or, tout est ensemble. La femme de Dieu ne peut pas être à la sixième dimension et puis Dieu est dans un autre pays. Et puis se promène. Et puis, comment les gens peuvent imaginer ça? Ça veut dire que moi, je suis dans une maison. Moi, si je vis là-bas, comme un fantôme, la personne dans ma maison, il me promène seulement. Je suis seul sur la terre. Hein? Imagine que toi, tu es seul dans ce monde sur la terre là. Tu vas en Amérique, il n'y a personne. Tu vas en Asie, il n'y a personne. Tu viens en Afrique, il n'y a personne. Tu vas vivre ici comment? Ta maison te demande de rester ici, tu ne vas pas rester. Amen. Donc quand on dit Dieu est seul dans la septième dimension, les gens s'imaginent d'un monde que Dieu est dedans. Et puis il est seul, et puis il est isolé, et puis personne n'arrive là-bas, et puis lui aussi il est seul. Comme le prophète Branham a dit, Satan est lui seul dans l'enfer, il est dans une dimension supérieure. Donc il est en enfer, c'est lui seul, les démons ne peuvent pas arriver là-bas. Les gens pensent que Satan est dans un monde, il est isolé, hein, il va mourir d'ennui. Quelqu'un qui est seul, il est ennuyé, non? Oui, il y a un mot qui dit ça. Amen. Donc, oh, c'est pas ça. Et qu'il y a une capacité que l'homme même qui est au milieu de vous, il a une capacité que vous n'avez pas. Donc il peut être ici. Vous pouvez ne pas savoir qu'il est là. Oh, il est en train de vivre avec vous. Il peut se faire apparaître. C'est-à-dire que comme les gens font avec nous, ils sont tout le temps avec toi ici. Élisée était sur la montagne. Hein? On est là, fait tout le contour. Je pense que toutes les idées vont sortir et puis on allait finir.
Élisée était sur la montagne. Et il y a les gens, il y a une troupe qui était venue l'envelopper pour l'attraper, pour aller donner à leur roi, ou bien même pour le tuer. Et son serviteur qui était là a commencé à se plaindre. Et Élisée a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour lui permettre de voir ceux qui sont avec nous. Quand il a ouvert les yeux d'Élisée, Géasi, il a vu les anges qui sont sur des chars de feu remplis sur les collines qui les entourent partout, des milliers d'anges. Mais ces milliers d'anges-là, tu penses que c'est maintenant qu'ils sont venus? Ils ont été toujours là. C'est la même dimension, nous sommes tous ensemble. Mais on n'a pas les capacités de les voir. Donc c'est eux-mêmes qui peuvent accepter qu'on se voie un peu. Et ils peuvent accepter qu'ils disparaissent. Amen. Amen. Une pensée qui m'est venue, mais ça m'échappe. Donc quand vous parlez de la puissance de Jésus, Jésus est un être qui avait quelque chose de plus que les anges n'ont pas passé. Lui-même, c'est lui le Seven, c'est lui Dieu. Donc, étant Dieu, il pouvait être là au moment où Satan fait tout ce qu'il veut. Mais, et puis, Satan ne peut pas le percevoir. Parce que son Seven plus qu'il a, son 1 plus, imaginez le 1 plus que Dieu a. Fait que Satan ne peut jamais maîtriser Dieu. Tu peux être là et puis tu peux même pas savoir que c'est Dieu qui est là. Seulement une dimension, un de plus que Dieu a, que les autres n'ont pas. Mais il est tout le temps avec eux. Alors que le même Dieu peut être là et puis tu ne vas pas le reconnaître. Il va sortir comme un point. Comme souvent quand les anges sortent, on va lui faire. Amen. La petite colonne de feu était sur terre de Branham. Le jour que l'homme là voulait sortir, il est sorti de la colonne de feu. Un grand monsieur. Comment pouvait-il être dans cette lumière? Amen. Parce que lui, il était dans une dimension que même quand il veut venir dans notre dimension, s'il ne nous permet pas de le voir en sa forme, on va le voir tout juste comme une lumière, comme une boule de feu, comme quelqu'un blanc qui a passé. Mais on n'a pas compris ce que c'est. Oh, c'est un être humain. Donc si toi tu es un chrétien, tu vis dans trois dimensions. Il y a Dieu en toi, il y a les ténèbres en toi, et il y a la matière en toi. C'est ça qui te fait vivre aujourd'hui. Mais Dieu te dit, il y a une dimension supérieure, qui est la dimension 4, la dimension 5, la dimension 6. Que les gens de ce monde sont en train d'évoluer pour envoyer des choses réelles à la manipulation sur la terre ici. Maintenant, quand toi, tu vas franchir ces étapes de dimension, les choses réelles que Dieu te demande, c'est la parole, c'est la puissance, c'est tout ce que tu peux faire pour changer les circonstances de ta vie, pour changer les réalités que tu es dedans. Tu quittes dans la dimension 4, tu entres dans la dimension 5, tu es là-bas avec même les démons. Tu es là-bas même avec ceux qui sont morts. Mais tu vas être au milieu d'eux. Tu n'es pas un homme de la dimension 5. Tu n'es pas un homme de la dimension 6. Parce que les anges sont aussi dans la dimension 6. Mais qu'est-ce qui fait que Branham dit que nous sommes sous l'autel? Malgré que nous sommes en bas ici. Quand on monte net, le premier ciel, c'est le Saint-Esprit. Les saints qui sont morts. Mais malgré ça, nous sommes dans la dimension 6. Amen. 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 Qu'est-ce qui fait ça? Dans la dimension 6 que nous sommes, c'est en puissance. Amen. Mais en position de la terre, Dieu nous a placé les saints qui sont morts beaucoup plus proches que nous. Amen. Beaucoup plus proches de nous que les anges. Pour nous influencer, pour nous attendre, pour nous communiquer certaines choses, pour que leurs pensées, pour que tout ce qu'ils veulent
sont faits sur la terre, ils sont connectés à nous plus que les anges qui sont encore derrière eux. Mais en puissance, nous sommes dans la dimension 6 actuellement, et les anges ne sont pas dans cette dimension que nous sommes. Parce que nous avons beaucoup plus de puissance que les anges. Beaucoup plus de force que les anges. Ce qui fait que quand tu es là, appelle lui, c'est nous. Actuellement, bien sûr. Amen. Appelle lui, ce n'est pas les anges. Amen. Mais vu l'histoire de la rédemption, et que c'est l'homme de Genèse 1 qui est le maître de la terre, amen, quelqu'un ne peut pas être intermédiaire au milieu là. Amen. Donc c'est l'homme de Genèse 1 qui est coulé sur l'homme. Amen. Voilà pourquoi il est le ciel qu'on trouve d'abord. Amen. Mais en puissance, nous sommes à la dimension 6. Alors que là où nous sommes là, les anges sont en bas. Alors que c'est eux qui viennent en bas en réalité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les amen. Deux 6 que Branham a dit. Branham dit les anges sont à la dimension 6. Les saints qui meurent aussi sont à la dimension 6. En même temps, il dit que quand on meurt, le premier ciel, c'est nous, on trouve, après les anges, après c'est Dieu. Parce que c'est l'homme de Genèse 1 qui commande la terre. C'est juste, amen. Amen. Dieu l'a mis commandant de la terre. Amen. Lui-même, il est un ange, il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire ce qu'il veut. C'est juste, amen. Amen. C'est parce qu'il ne voulait plus travailler, Dieu l'a dit, reste tranquille. Je viens, mon armée céleste, on va restaurer tout. Amen. Il est resté tranquille. Amen. Mais aujourd'hui, il est à la dimension 6, parce que ce que Jésus est, lui, il n'est pas. Amen. Amen. Jésus a une puissance encore plus supérieure. Parce que Jésus, il est venu sur la terre. Avant, dans l'Ancien Testament, le Logos, amen, Dieu était la colonne de feu. Il était pareil à l'homme de Genèse 1. L'homme de Genèse 1 avait sa moitié sur la terre, qui est l'être humain qui marche, amen, mais qui avait péché. Et donc, il s'est coupé de lui en attendant que le sang soit versé. Maintenant, Dieu lui dit, je dois venir racheter tes enfants pour toi. Parce que nous sommes la même famille. Et tu meurs pour toi-même, bon, moi, je sais à quoi. Donc, moi, je vais mourir pour toi. Pour que mon royaume soit ton royaume et que ton royaume aussi soit mon royaume. Amen. Alors, le même Dieu vient, il se fait une chair humaine sur la terre de l'homme de Genèse 1. Et quand il a fini de mourir pour nous à la croix, amen, Jésus monte avec lui ces 16 éléments qu'il avait ici pour aller au ciel. Amen. Donc Jésus est dans un corps glorifié que l'homme de Genèse 1 n'a pas. Amen. 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 Les gens qui sont morts premièrement dans l'Ancien Testament, quand Jésus est mort, ils sont ressortis des tombes. Amen. Ils ont pris leur corps. Parce qu'ils ont voulu que leur corps soit enterré là où le Messie va être. Amen. Dans la terre promise. Et donc, ils, tous, ils ont pris leur corps de ces éléments, ils ont commencé à se promener. Amen. Mais en même temps, ils étaient les êtres surnaturels de la quatrième dimension. Donc tout ce qui est élément de la dimension supérieure à 4 était en eux. Amen. Il pouvait disparaître, réapparaître. Amen. Même Jésus, il disparaît, il réapparaît. Amen. Donc ils étaient semblables à Jésus. Amen. Pour monter au ciel, et maintenant ils savent qu'ils ne peuvent pas monter au ciel et puis nous on va aller et puis on est différents d'eux. Dans le même corps qu'ils ont pris pour ressusciter, amen, ils redéposent les 16 éléments et Jésus seul monte avec ces 16 éléments au ciel. Amen. Comme un mémorial pour tout le monde. Amen. Et Dieu nous donne un rendez-vous à la résurrection. Amen. Nous tous, nous allons revenir pour occuper nos 16 éléments. Abraham va revenir. Abraham a déjà goûté ça. Abraham va revenir. Amen. Moïse va revenir. Amen. Eux tous, ils vont venir récupérer leurs 16 éléments, ceux qui ont déjà devenu glorifiés une fois, redevenir glorifiés, et nous, on sera glorifiés pour la première fois, amen, et aller maintenant à la rencontre de Jésus.
Et là, ce jour-là, la Bible dit, tout ce que Jésus est, nous serons. Mais actuellement, Jésus est, nous ne sommes pas. Amen. Tout simplement, parce qu'il y a une dimension de plus. Si vous comprenez. Les 16 éléments que Jésus a mis en lui pour aller, il a mis la terre, c'est-à-dire la matière. Il a mis l'esprit en lui. Dans les 16 éléments, bon, vous allez dire les ténèbres aussi sont en lui. Non. Mais tout ce qui constitue ces 16 éléments sans Satan, le cosmos était en lui. Amen. Bon, imaginez un peu, je vais vous représenter rapidement, on va finir. Rapidement. Quand Dieu faisait la terre, il a vu tout ce qui était bon sur la terre. Il a pris le pétrole, les choses, tous les éléments, il a constitué Adam. Amen. Et Adam étant un être fait de la terre, il pouvait communiquer avec 5 sens. Amen. Avec, amen. Amen. Ça veut dire, d'autres ont dit que Adam n'utilisait pas les 5 sens. Amen. Amen. Adam utilisait les 5 sens. Adam était un être humain. Il utilisait les 5 sens. Amen. La seule chose est que les 5 sens d'Adam étaient connectés à l'esprit. Amen. Donc tout ce que les 5 sens faisaient, c'était la volonté de Dieu. Amen. Ça peut aller. Amen, amen. Amen. Il utilisait les 5 sens. Mais les 5 sens qu'Adam utilisait, c'était pas Satan qui était dedans. C'était Dieu qui était dedans. Parce que Satan est venu dedans à partir du moment où on a commencé à se multiplier par la terre, par femme et garçon, on a commencé à se multiplier. Alors Satan a une partie puissante dans ces 16 éléments. Amen. Il a commencé à contrôler les 16 éléments. Mais Dieu, quand il est venu, Jésus, il utilisait les 5 éléments. Mais pourquoi les 5 éléments accomplissaient la volonté de Dieu? Amen. Parce qu'il est né hors sexe. C'est juste, amen. Amen. Donc les 5 éléments de Jésus utilisaient, ça lui permettait d'accomplir sa mission que Dieu lui a donnée sans être vraiment envoûté de la convoitise, sans être vraiment envoûté comme facilement on pouvait être envoûté. Comme l'apôtre Paul dit, le péché habite en moi. Donc, je veux faire le bien, mais je ne veux pas, je ne peux pas. Donc, il y a un combat. Mais en Jésus, il n'y avait pas. Donc, les 16 éléments que Jésus a pour aller au ciel, le côté cosmos était en lui. Mais le côté noir que Satan est venu mettre après, parce que Dieu a permis ça, pour que nous ayons une partie de ce monde inférieur-là en nous, n'était pas en Jésus. Donc, Jésus ne pouvait pas monter avec. Jésus a été formé sans le côté obscur. Amen. Donc Jésus n'était pas un homme animal. Jésus était fait de la matière. Amen. Jésus était fait de l'esprit, de la lumière. Amen. Il n'avait rien avec un homme animal. Donc quand il montait au ciel, il n'était pas un corps animal qui montait. C'était le Saint-Esprit qui montait. C'était les 16 éléments baptisés qui montaient. Amen. Amen. On va se tenir debout. Vous allez monter au ciel. Amen. Comme Jésus est monté au ciel. Amen. C'est la promesse de cette dimension. Amen, amen. S'il y a une 6e dimension, c'est pour que toi tu sois là-bas un jour. Amen. Amen. Toute la puissance qui se trouve au ciel, Dieu veut que tu sois connecté à cette puissance-là ici sur la terre. Amen. Si les scientifiques arrivent à le faire pour sortir des véhicules, pour sortir tout ce que nous avons aujourd'hui, la 4e dimension seulement, regarde ce qu'ils ont fabriqué. Alors quand toi maintenant tu dépasses la 4e, tu dépasses la 5e, que tu t'en vas dans la 6e dimension, qu'est-ce que tu ne peux pas faire?
Les gens sont en train d'apprêter des robots qui vont prendre la place de tout le monde. Des voitures intelligentes qui vont rouler sans faire accident. À cause de la 5G. Cette 5G là, c'est une vitesse supérieure que Dieu te donne aujourd'hui. Tout ce que tu veux, l'éternité, le présent, le passé, tout est en toi. Rien ne passe chez toi, tout est le présent. Encore le prophète Branham a dit, quand une année passe, ne faites pas comme les païens qui disent, déchire la page où j'étais. Qui dit, ça doit être là. Quand tu vas voir tout ce que Branham a dit, si tu n'as pas compris, tu te mélanges. Mais tout confirme la Bible. Si les dimensions n'ont pas été expliquées comme on a reçu cela, quelqu'un qui dit ça, on va prendre, puis on va le mélanger, puis il ne sait pas comment il va se défendre. Si les anges sont à la sixième dimension, à quel moment les saints sont aussi à la sixième dimension? Si nous avons sept dimensions et que nous sommes à la une dimension au milieu, alors pourquoi le prophète Branham dit nous avons trois dimensions? Alors si toi tu as compris que tu as trois dimensions, déjà Dieu est une dimension en toi. Satan est une dimension dans ses enfants. J'ai regardé un dessin animé hier où la grand-mère de Satan, la grand-mère du diable, quand lui a conté une affaire du roi, elle a dit, mais le roi même est plus mauvais que mon petit-fils, le diable. Il y a des gens ici qui sont même plus mauvais que Satan. Ça veut dire que c'était eux qui étaient Satan. Même si la volonté de Dieu, même là, ils vont déjouer ça. Quand Dieu a dit à Satan, il ne faut pas toucher Job, Satan a respecté, eux ne vont pas respecter. Ils vont aller, puis ils vont toucher Job, et puis ça, Dieu sera obligé de l'éliminer en même temps, et puis le plan s'égare. Donc Dieu a eu l'intelligence de choisir Satan qui pouvait le pays. Amen. Pour que son plan arrive à destination. Amen. Mon fils est dans tel côté, il faut faire tout, mais ça là, il ne faut pas toucher. Satan est trop discipliné à Dieu. Il va faire tout, il ne va pas toucher. Amen. Quand Jésus était venu, il a accompli la parole à Jésus. Amen. Si tu n'as pas eu la sagesse, les hommes que tu vois aujourd'hui, les politiciens que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu vois aujourd'hui, j'ai regardé un dessin animé. C'est la dimension, le niveau de puissance. Amen. Le petit Kirikou a demandé à sa maman que la sorcière, elle est méchante, Karaba. Et sa maman a dit que les enfants que tu sauves tout le temps là, eux aussi, ils sont méchants. Et puis il a dit, oui, c'est vrai. Hein. Et puis il a dit, mais quand même, Karaba est beaucoup plus méchante. Hein. Et sa maman a dit, c'est parce qu'elle a beaucoup plus de pouvoir. Alors, imaginez que le pouvoir que Karaba avait, si on donnait ça à un de ses enfants-là, peut-être ils allaient être plus pires que Karaba. Il y a des sorciers dans le village qui tuent les gens. Tout le monde est fâché contre eux. Mais le jour où il meurt, quand le démon qui est en lui, ça en possédait un petit qui souffrait aussi de sa méchanceté. Mais quand ça va chez lui, il devient peut-être même plus méchant. Il détruit tout le sorcier qui était là, il tuait, mais il préservait la famille. Mais lui, il tue tout le monde, la famille disparaît, puis les chefs.
Dieu a bien choisi Satan. Il y a des êtres humains aujourd'hui qui étaient dans l'abîme aujourd'hui, que Dieu les a regardés. S'il les prenait pour faire premier ministre, et que ce côté abîme-là se réveillait dans le futur, le plan de Dieu n'allait pas accompli tellement ils étaient trop méchants. Amen. Vous voulez la regarder, il doit que Satan remplit toutes les qualités que je veux. Même si je veux que le monde fait 1 milliard d'années, Satan sera obéissant. Ça dépend des dimensions que vous êtes dedans. La dimension te rend plus méchant. Ça te rend plus juste, plus gentil, plus tu descends. L'amour de Dieu qui est aussi vain, qui est rempli comme ça. Plus tu montes, plus ça grandit. Alors tu as beaucoup plus de pouvoir que les autres. Jésus a pardonné quand on le pointait. Jésus avait beaucoup plus de pouvoir. Parce qu'il était dans une dimension supérieure qu'on n'était pas. Cette même dimension, Dieu te demande, si Jésus était sur la terre et qu'il était connecté à la 7e dimension, toi aussi tu peux l'être. 7e dimension, ce n'est pas mystérieux. Amen. Tout ce que Paul a fait, il a été connecté à la 7e dimension. 7e dimension, connecté mais pas être, c'est différent. Quand Branham descendait toutes les pensées de Dieu, il était connecté à la 7e dimension. Mais être, il a été à la 6e dimension. Alors l'apôtre Paul dit, il a été à la 7e dimension. Alors qu'est-ce que toi tu vas développer quand Dieu va entrer en toi? Ne regarde pas ce que ton père a fait. Le même esprit qui était en lui, s'il rentre en toi, il va faire plus que quand il faisait. Le même esprit quand il était en Jésus, Jésus est mort et ressuscité. Le même esprit quand il était en Branham, Branham est mort. Le même esprit était en Coleman, Coleman est mort. Mais le même esprit quand il rentre chez toi aujourd'hui, est-ce que tu vas mourir? La 6e, la 5e, la 4e, tu es ensemble maintenant. Tout l'enfer est sur la terre, tout le ciel est sur la terre. Il suffit que tu ouvres les yeux. Le diable a réussi à faire son image sur la terre. Les robots qu'on va voir bientôt vont marcher dans les rues, vont conduire des choses, vont préparer pour toi. C'est la 5G. La dimension de l'effort va descendre sur la terre. Maintenant, quand toi, tu montes aussi dans la 6e dimension. Ce que Jésus a pris déjà, c'est pour toi. Amen. Comme on vous a dit le mercredi, la clé qu'il a pris, c'est pour toi. Amen, amen. Amen. Donc la clé de la mort, du séjour des morts, qui est l'abîme, la clé de l'abîme, là, c'est pour toi aujourd'hui. Amen. C'est toi, tu fermes qui tu veux, tu ouvres qui tu veux. Quand tu es en train de prier, monte dans une dimension supérieure. Amen. Que la dimension, les anges qui sont là-bas t'apparaissent dans toi, ta dimension. Amen. Alors chacun va prier. Tu as dit quelque chose à Dieu. Tu as écouté ce que nous avons voulu parler.
tu as entendu que là où tu vis, il y a une dimension qui t'influence. Amen. Et c'est déjà en toi. Amen, amen. C'est le passage par lequel il passe pour t'influencer. Amen. L'éternité n'est pas quelque chose qui est au loin de toi. L'éternité est déjà dans ton corps. La résurrection n'est pas hors de toi. La résurrection est dans ton corps. La septième dimension, ce n'est pas un monté, Jésus est là-bas et puis il est seul. C'est une puissance. C'est une qualité supérieure qui dépasse des milliers de fois les anges même qui l'entourent. Mais toi, tu es même matière de formation avec lui. La septième dimension est ton domaine. La septième dimension est ta vie. La septième dimension est ta puissance. Si les gens arrivent à faire les choses avec la quatrième dimension, qu'en est-il avec la septième? On ne rentre pas dans la sixième pour venir fabriquer la nature. On rentre dans la sixième pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. La volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, quand la sixième dimension descend, les gens de là-bas ne meurent pas. Pour toi, tu ne dois pas mourir. Les gens de là-bas ne vieillissent pas. Donc en réalité, tu ne vieillis pas. Le temps vient du diable. Avec Dieu, c'est l'éternité. Alors la matière qui est dans le temps, ça c'est pas toi. La vie qui est à l'intérieur, qui est Dieu, qui est en contact avec l'être surnaturel. C'est lui que tu dois nourrir. Satan peut fatiguer ton corps. Ça lui appartient. Car il faut que Dieu l'attend. Dans cette phase que nous sommes, c'est la mort. Il a défié Satan sur le côté maladie. C'est un acquis. Ça est dans la poche. Dieu n'a rien à prouver à Satan pour ça. Ce qui reste à prouver à Satan, c'est rester vivant. La Bible est en tes mains, alors la mort t'appartient. La clé, c'est une solution de plus. La clé, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de quelque chose que les autres n'ont pas. Jésus a la clé de la mort de celui de mort parce qu'il rentre dedans, il sort comme il veut. Il a la maîtrise de la mort. Il maîtrise la mort comme aucun de nous maîtrise. Cette même maîtrise, Dieu l'a donnée à ses enfants. Alors aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a un monde supérieur, mille fois supérieur, qui est identifié aux 3G, 4G, que tu utilises, alors, il faut savoir que tu es beaucoup trop puissant pour tes problèmes. Tu es beaucoup trop élevé pour tes soucis. Les gens sont sévères. Et puis, regarde pas tes 3 dimensions. Ils ne voient même pas quelque chose qui est problème dans pour toi.
quatrième dimension seulement te permet d'apparaître où tu veux, d'avoir ce que tu veux, mettre ta maison dans ta poche. Ce que tu veux, ça est dans ta main. Tu ne vas pas à Abidjan pour transporter les bagages pour venir. Tu viens, les bagages sont toujours là, ça est toujours là, on ne transporte rien. Multiplie toutes ces puissances-là pour aller jusqu'à 7. Alors que tu as Dieu aujourd'hui, si tu as connecté Paul à la 7e dimension, tu as connecté Branham à la 6e dimension, alors nous aujourd'hui, on doit avoir les mêmes bénéfices qu'ils avaient, qui sont de l'autre côté. Nous, on ne veut pas connecter seulement, on doit avoir le même bénéfice. Il ne meurt pas, nous aussi on ne mourra point. Ils ont l'éternité, nous aussi on aura l'éternité. Prions ensemble. Père Céleste, sois reconnaissant ce glorieux jour. Cette dimension, Seigneur, tu l'as déposée comme tu as voulu. Aujourd'hui, la dimension 7, la dimension 4, la dimension 3, tout est ensemble, Seigneur. Nous sommes les partisans du ciel. Le décret qui est au ciel est valable pour chacun de nous. Le décret qui est au ciel, tu dis à quelqu'un qui ne sait pas. Le même décret est valable sur la terre ici. Sur la terre ici, on ne meurt pas. Là-bas, ils sont éternels. Ici, tu dois être éternel. Là-bas, ils veulent quelque chose, ils ne bougent pas. Et puis, ils ont ça. Jésus a démontré ça. Seigneur, donne-nous cette même vie. C'est toi qui as dit dans que quand nous prions, on n'a qu'à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté qui est faite au ciel que les gens ne mourraient pas. Que ça soit fait sur la terre ici, il ne faut pas que quelqu'un va mourir ici. Ta volonté au ciel est que quand les gens veulent quelque chose, ils parlent et puis ça est là. Faut que cette même volonté se fasse sur la terre. Que tes enfants ici prononcent la parole et que ça arrive. C'est la prière que tu nous as demandé de faire en ce jour. La terre est un département du ciel. Tout ce que tu as signé là-bas doit être valable ici. Alors Seigneur Dieu, toute notre prière aujourd'hui, l'éternité qui est à la 6e dimension, amen, soit se fait sur la terre ici comme au ciel. Amen. La paix qui est au ciel doit se faire sur la terre ici comme au ciel. Amen. L'amour qui est au ciel doit se faire sur la terre ici comme au ciel. Amen. La puissance de la parole qui est au ciel, amen, doit se faire sur la terre ici comme au ciel. Amen. La position que chacun occupe, que c'est sur la terre ici, manifeste sa position. Amen, amen. S'il est un Dieu créateur, que ça soit fait sur la terre ici comme au ciel. Amen. Les dimensions sont beaucoup plus grandes. Amen. Que ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Mais Dieu, nous ne sommes pas les créatures du temps. Amen. Une partie de nous est au ciel. Amen.
Une partie de nous est dans l'éternité. Amen. Alors que cette vie qui est là-bas, tu as donné des avant-goûts à tes enfants ici. Amen, amen. Que cela descende dans la vie de chacun amen. Ici. Amen. Que mon frère soit chez lui. Amen. Sans bouger, il arrive là où il s'en va. Amen. Que ma soeur Alléluia. Oublie quelque chose dans la maison. Amen. Mais à l'instant, elle retrouve ça là où elle est. Amen. Amen. Qu'elle ne bouge pas. Amen. Tous les objets du passé, présent, futur sont ensemble. Amen. Il n'y a pas de retard dans ce monde. Amen. Tout est toujours à jour. Amen. Tout est toujours au présent. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Là-bas, il n'y avait pas de maladie. Amen, amen. Là-bas, il n'y avait pas de souffrance. Amen. Seigneur, si au ciel, il n'y a pas de maladie. Amen. Que toi-même, tu as dit que ça soit fait sur la terre comme au ciel. Amen. Alors que sur la terre, ici aussi, il n'y a pas de maladie. Amen. Seigneur, nous allons parler comme Jésus. C'est juste, amen. Nous ne prions pas pour le monde. Amen. Mais nous prions pour ce que tu nous as donné. Amen. Amen. Que ta volonté qui se fait au ciel. Amen. Que ça soit fait sur la terre ici en eux. Amen, amen. Comme ça se fait au ciel. Amen. Nous avons étudié tes dimensions. Amen. Moi, en tout cas, ça m'a épaté de découvrir. Amen. Amen. Que les dimensions sont beaucoup plus loin que l'autre amen. Dimension qui est précédente. Amen. Amen. Alors je me demande bien. Amen. Quand on sera au ciel, qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas? Amen. C'est la miniature de ce qu'on vous a dit ici. Amen. Satan s'envole. Amen. Mais il a les limites. Satan disparaît, il apparaît où il veut. Mais il a des limites. Amen, amen. Dans la quatrième dimension, les morts n'ont plus de mur. Amen, amen. Il n'y a plus de porte pour eux. Mais ils ont des limites. Amen. Mais qu'en est-il de la septième dimension? La dimension de Dieu. Amen. La dimension des fils de Dieu. Amen. Le Seven. Amen. Cette notre vie qui est vive. Amen. Dans l'éternité, disparaître, réapparaître, être là où on veut être. Amen. 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 Mais la chose la plus glorieuse encore, amen. Que Satan ne peut pas faire, amen. Que le mort ne peut pas faire, amen. Que les démons ne peuvent pas faire, amen. C'est que même les anges même de amen. Dieu ne peuvent pas faire. Amen. Amen. Et que nous, les fils de Dieu, dans le Seven, nous le faisons. Amen. Amen, amen. Seigneur, on veut le miniature, comme tu as diminué ton amour pour descendre. Amen. Seigneur, tu peux enlever la maladie de quelqu'un ici en un instant. Amen, amen, amen. Là-bas, c'est la rapidité. C'est juste, amen, amen. Amen. Si les blancs arrivent à créer l'Internet, amen. Tu veux que quelque chose à la seconde, tu as ça. C'est juste, amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une question de longue prière. C'est juste. Amen. Tu fais quelque chose à l'instant, Dieu donne. Oui. Amen. C'est la rapidité de la 5G. Amen. Manipuler les robots. Amen. Seigneur, nous voulons que cette volonté qui se fait au ciel. Amen. Amen. C'est cette grande dimension que tu as. Tu es avec nous, mais tu fais ce que nous ne pouvons pas. Amen. Seigneur, que cette volonté-là soit faite sur la terre ici. Amen. Seigneur, la parole parlée est la semence originale. Amen. Tout ce que le prophète a parlé, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Amen, amen. Il y a un mois passé, je ne pouvais pas expliquer les dimensions comme ça. Amen. Amen. Pourquoi en même temps il y a trop en haut, trop en bas? Et puis en même temps, on vit dans trois dimensions. Amen. En même temps, six dimensions pour les deux personnes. Amen. Les deux entités. Amen. Ça me mélangeait. Amen. Même il y a un frère qui m'a posé la question un jour. Amen. D'expliquer les dimensions. Amen. J'ai dit ça là, je n'ai pas encore étudié ça. D'ailleurs, même moi, je n'étudie pas. Amen. Mais je n'ai jamais pensé à ça. Amen. Donc, je ne peux pas te répondre d'abord.
Mais quand la pensée est venue, Amen. Longtemps après, Amen. Aujourd'hui je l'ai transmis. Amen. Pas à la qualité que je voulais faire, les faits même que je voulais démontrer, je n'ai pas fait. Amen. 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 Mais Seigneur, je sais que l'essentiel est passé. Glory. Et au fur et à mesure, nous allons continuer. Amen. Amen. Car les messages s'emboîtent. Amen. Amen. Voilà pourquoi tes enfants qui sont entrés dans sa présence. Amen. Qui sont entrés dans ce message mystérieux. Amen. Ils ont aimé ce message. Amen. Par quoi? Parce que tu leur donnes chaque dimanche, chaque mercredi. Amen, amen. Nous ne sommes pas une église qui a les moyens pour avoir les prédications du prophète pour jouer matin, midi, soir à la maison. Amen. Nous ne sommes pas une église qui est... Amen, amen. Qui est intellectuelle. Amen. Alors beaucoup ne peuvent même pas lire les brochures ici. Mais ils aiment le message. Amen. Parce qu'ils entendent ici. Amen. Alors, dans sa présence, que tu les envoies au fur et à mesure. Ça. Pour chaque jour, ils complètent deux, ils complètent un, ils complètent deux. Amen. Que ta volonté qui se fasse au ciel. Amen. Soit déclenchée dans leur vie. Amen. 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 Seigneur, nous savons que ta puissance agit dans l'église. C'est juste. Amen. 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 Mais la septième dimension est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Nous voulons l'extraordinaire dans nos vies. Amen. L'extraordinaire dans la vie de tes enfants. Amen. Qu'ils arrivent à fermer la porte sans même bouger. Amen. Oui. Qu'ils arrivent à ranger le placard sans même bouger. Amen. Amen. Si la quatrième dimension fait ça, qu'en est-il du septième? Amen. Et nous te prions ce midi. Tes enfants vont rentrer chez eux. Amen. Qu'ils rentrent bénis. Amen. Qu'ils rentrent oints. Amen. Que les anges qui sont dans la septième dimension, sixième dimension, cinquième dimension, Amen. Quelles que soient dans les dimensions, tu les as placés. Amen. Ils ont largement des choses de plus que nous n'avons pas aujourd'hui. Amen. Amen. Un ange seulement m'a visité. Amen. La joie m'a rempli. Amen. Les anges pouvaient visiter chacun d'eux aujourd'hui. Amen, amen, amen. Cette oh, même joie que j'ai amen. Reçue, amen. Qui a été une joie temporaire. Amen. Si chacun d'eux peut manifester ça, amen. Quel que soit temporaire, mais qu'il goûte cette dimension-là un peu. Amen. Amen. Seigneur, nous prions ce jour. Le message a été terre à terre. Ça a été enseignement. Que cette dimension soit ancrée dans leurs âmes. Amen. De savoir qu'ils sont un être supérieur aux animaux. Amen. Amen. Ils doivent avoir un être supérieur à ce qu'ils sont aujourd'hui. Amen. Ils sont leur théophanie. Amen. C'est beaucoup plus glorieux que cela. Amen. Le serpent ancien. Amen. C'est l'identité que nous devons avoir aujourd'hui. Amen. C'est un être béni. Amen. Dieu l'a béni. Amen. Il fait partie du plan de Dieu. C'est juste. Amen. Que tes enfants ici Amen. Manifestent la pratique que les serpents anciens avaient avant la chute. Amen. Amen. Avant qu'ils soient oints par Satan. Amen. Qui communiquent avec l'homme. Amen. Qui conversent avec l'homme. Amen. Aujourd'hui, que tes enfants puissent converser avec des gens de toutes dimensions. Amen. Et descendre avec tout ce qu'ils reçoivent là-bas. Amen. Les accouches ici. Amen. Donnez ça à leurs amis, les animaux. Amen. Comme le serpent ancien pouvait faire. Amen. Il pouvait être intermédiaire Amen. Entre les animaux Glory. Et puis l'homme. C'est juste. L'homme Amen. Pouvait l'envoyer. Amen. Il pouvait causer avec l'homme Amen. Et causer avec les animaux. Aujourd'hui, cette position, tous les fils de Dieu doivent l'avoir. Amen. Recevoir Dieu. Recevoir la sixième dimension. Amen. Recevoir les anges. Recevoir les théophanies. Amen. Causer avec Dieu. Comprendre leur langage. Amen. Et venir donner ça à tes enfants ici. Amen.
Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là notre requête en ce jour. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On sent la fatigue.